L'heure est aux interrogations au lendemain de la macabre découverte au bois du Larbec. Si les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été révélés, les circonstances de la mort et l'identité de la victime restent encore inconnues. Il s'agit d'un homme. Le parquet a envoyé un médecin légiste sur place qui a dû constater que c'était en effet un tronc humain provenant d'un homme. Il a aussi dû constater que aussi bien la tête que les avant-bras que les jambes avaient été enlevés. Et on sait déjà quand remonte la mort de cette personne ? Non, on n'a pas encore de certitude à ce sujet. Aux abords du bois du Larbec, c'est la consternation. Les riverains et les marcheurs sont encore sous le choc. Je reviens pas parce qu'on vient souvent ici, nous. On vient promener le chien, tout et tout. Et mon fils vient jouer ici en vélo et puis il vient étudier ici dans le coin, quoi. C'est oui, on est stupéfait, quoi. Oui, il y a des choses suspectes dans ce bois, mais c'est pour ça qu'on ne vient pas à l'aube ou au crépuscule, en fait. Je suis quand même choqué d'attendre tout ça, parce que pour le moment, tout ce qu'on attend, c'est presque quasiment tous les jours, quoi. Vous avez déjà été témoin d'agissements suspects ici et autour du bois ? Jamais, non, jamais. Moi, je viens ici, je dis rarement, parce qu'il y a mon père qui tient un jardin ici un peu plus loin, et je viens, mettons, une fois tous les 2-3 mois. Pour l'instant, aucun avis de recherche lancé dernièrement n'est lié de près ou de loin à cette affaire. Une enquête a été ouverte et un juge d'instruction a été saisi pour assassinat.